Sous la houlette de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoé, la commune de Boulaos a organisé hier la finale du tournoi d'été de football au Centre Technique National de la Fédération Djiboutienne de Football. Le match de finale a opposé l'équipe de la cité d'Al-Hiba et l'équipe du Hadji Dide du quartier 2. Et ont été présents plusieurs autorités, dont le président de la commune de Boulaos. Et après un match très serré, l'équipe du Hadji Dide a dominé l'équipe d'Al-Hiba sur un score de 6 buts à 1. Sugannahay meedaankii hore ee ciyaaraha kubadda ee loo yaqaanay Stade Municipalka loo yaqaanay kaasoo ka soo horjeeda xarunta caafimaad ee Faaraxad halkaasaan ku sugannahay waxa in dhaweyd ba magaxda ee degmadeeda Bulcaawsta waxa ka socday oo magaalada laga soo qaban qaabiyay ciyaaro maartay tartan ciyaara oo kubadda cagta ah yaa in dhaweyd ba ka socday haday tahay degmada Balbala iyo degmada Bulcaawsta tabaa maanta oo tartanka la soo gabagabeynayay waxa halkan isku haleelay meedankani ciyaartooyinka xaafadda Haaji Diide iyo ciyaartooyinka xaafadda Arxiiba oo labaduba ay ka wada tirsan yihiin degmada Bulcaawsta halkaasi de kolay cidun bay kolkala tartama cidun bay guushu raacaysaa waxay guushu halkan ku raacday caawa ciyaartooyinkii ka socday xaafadda Haaji Diide si waanan hambalyeynaynaa dhammaan ba waxaan hambalyeynaynaa kuwa badiyey iyo kuwa laga badiyey iyo intii hore ee maartay tartanada ka soo qayb gashay magacaygu waxa weyn Khadartaan Nuur xaafadda waxaan ka socdaa labaad maanta waxaan ciyaarnay kuub oo xagaagaayo dhan socday oo xaafadda Arxiibaan la ciyaarnay waxaan kaga badinay 7-1 oo maanta aad iyo aad baan u ciyaarnay waan ku qanacsanahay waan ku faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa Komin Bulcaawsta iyo wasaaradda dhaqanka iyo dhalinta Un tournoi organisé par la commune et surtout sans l'appui et l'aide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ce tournoi n'aurait pas eu lieu. Donc nous la remercions parce qu'elle est toujours là aux côtés de nous. Quand il s'agit de la culture du sport, quand il s'agit de la culture de l'art moderne, quand il s'agit de la culture de l'art traditionnel, de toute culture. Donc le passage de l'ancienne génération à la nouvelle génération, toutes sortes de cultures. Donc nous la remercions énormément. Donc ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, et ce n'est pas la dernière fois, Inch'Allah. Donc nous lui disons merci, elle et son staff. Nous remercions la RTD qui est toujours là et qui est toujours couvert. Nous remercions les jeunes, les directeurs des CDC qui ont été à nos côtés et qui ont tout fait pour que ce tournoi puisse réussir. Donc l'objectif, c'est d'abord détecter des jeunes talents. C'est de lutter contre l'oisivité. C'est de lutter contre donc, la drogue, la tentation de drogue et toutes sortes de tentations qui puissent dérouter nos jeunes aujourd'hui. Donc c'est la politique du président qui demande à ce que, en temps d'été, en temps ordinaire, à tout moment, que l'on puisse s'organiser pour être aux côtés des jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes élus et nous lui disons que nous allons réaliser, Inch'Allah, nos mandats donc, et nous allons faire tout ce que nous avons promis pour la population. Et nous leur demandons de garder la ville propre et verte, Inch'Allah. يبكو عصو حليمك اللي حبوه رعتي لما حليبا شيخ ترده توه حجزيته اكيبك ارحباه اكيبك سكته توه بري كعصو ديگر نقا يبعيه حجزيته تيسيه يبعي قرسي بري كادو وقت عنده اكي احد دو هباتين فردينته احد دو تميت لما
لما اكيبي غيرش بركتي سد عشتا طول لا لما كي كنا سكدي طبعا البيان ده عندناي تاني هاي كعسو ما حبيناي كعسو دقي بسو هاي ساي وي ساي اش كيشيا نهاي قد جا تابخميدي au stade municipal où se sont confrontées deux équipes de CDC de Hachidine et de CDC d'Arhiba. Parce qu'il faut rappeler que ce tournoi, c'était un tournoi inter-CDC de la capitale de Djiboutiville et c'est à ce niveau que se situe le cadre de cette compétition sportive. Nous félicitons l'ensemble des joueurs qui ont pu faire esprit de fair play, mais également d'adresse et d'habilité dans le domaine du football. On les félicite, le meilleur a gagné, mais l'autre aussi, effectivement, il avait aussi sa disposition et puis ses compétences sportives. Et nous le félicitons tous les deux. Mais il y a toujours un gagnant et on félicite l'équipe de football de CDC de Hachi Didé. Bravo. Je félicite nos organisateurs, le président de la commune de Blue House, qui matin, midi et soir a travaillé sur ce projet, mais également la ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui dans le cadre de l'épanouissement sportif de la jeunesse djiboutienne, a organisé cet événement avec, en collaboration avec les CDC et la présidence de Blue House. Et là, ça s'est bien, très bien passé. Et il faut renouveler cette édition. Je vous félicite, Monsieur le Président, et également Madame la Ministre en charge de la